Pierre et Laurence Le Marchal ont inauguré la maison Grégory Le Marchal dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, ce jeudi 16 juin 2022. Les parents de Grégory Le Marchal ne relâchent pas le combat, alors que leur fils a emporté à l'âge de 23 ans, en 2007 par la maladie. Cette maison, ils l'ont pensée pour que les malades, soignés en hôpital, puissent retrouver un côté humain qui manque parfois à ce type d'établissement. Pour cette soirée, ils ont pu compter sur la présence unique de Brigitte Macron. Karine Ferry, grand amour de la vie du chanteur à la voix angélique révélée par la Star Academy, était bien sûr présente aux côtés de ses anciens beaux-parents et de leur fille, Leslie Le Marchal. Et l'animatrice est apparue très complice avec la première dame française. L'épouse d'Emmanuel Macron était très élégante, vêtue d'un blazer blanc, d'un jean slim et d'une paire d'escarpins. Elle affichait un sourire radieux alors qu'elle a pris la pose aux côtés de Karine Ferry. Elles ont même partagé un fou rire, comme dévoilé par l'épouse de Johan Gourcuff sur Instagram. Brigitte Macron, élégante en blazer blanc. Brigitte Macron a aussi prononcé un discours, après avoir immortalisé sa venue avec un cliché aux côtés de Pierre, Laurence et Leslie Le Marchal, visiblement touchée par sa présence. La femme du président français n'est pas la seule à avoir fait le déplacement dans les Hauts-de-Seine, ce jeudi 16 juin 2022. On a également pu voir Nikos Aliagas ainsi que Faustine Bollard et la chanteuse Julie Zenati, qui a donné de la voix. Yvan Cassar était aussi de la partie.